Ça va faire 10 ans que lorsqu'on parle des meilleurs joueurs du monde, on parle toujours de Messi et de Cristiano Ronaldo. Aucun de ces deux joueurs-là n'est un neuf. Est-ce qu'on serait pas dans une ère où les grands neufs, les grands buteurs, ont tendance à disparaître? Pourquoi est-ce que les neufs ne sont plus les stars de leurs équipes? Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre sélection va bien. La mienne, pour être très honnête, ça va pas trop, mais entre vous et moi, la Ligue des Nations. Qu'est-ce que ça vaut la Ligue des Nations? Qu'est-ce qu'on a quelque chose à faire? Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qu'un ami m'a conseillé avec insistance. Pourquoi est-ce que les numéros 9 ne sont plus les stars de leurs équipes? Après une décennie où on a beaucoup parlé de la disparition des 10, est-ce qu'on ne serait pas en train également de perdre les 9, ces grands attaquants qui ont marqué pour beaucoup notre enfance, les années 2000, début des années 2010? Si on regarde les grands clubs européens, énormément de ces clubs-là n'ont pas comme star un numéro 9. Le Barça, Liverpool, Manchester United, le PSG, l'Atlético, City, la Juve, le Napoli et Chelsea, sa grande star, son joueur emblématique ces dernières années, c'était Eden Hazard. Alors évidemment, comme toujours, il y a des contre-exemples, Ciro Immobile, Jamie Vardy, Erling Braut Haaland, mais si on regarde les grands clubs européens, le constat, il est ce qu'il est. Sur la dernière décennie, on a eu 6 attaquants qui ont figuré parmi les top 5 du Ballon d'Or. Luis Suarez et Lewandowski, ils avaient réussi à se hisser à la 4e place, jamais mieux qu'une 4e place. Je suis d'accord, le classement du Ballon d'Or, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est assez représentatif quand même. Là où, de 2000 à 2010, il y a eu 18 attaquants configurés parmi les 5 meilleurs joueurs du monde selon le classement du Ballon d'Or, et c'était pas rare, sur certains classements, d'avoir parmi les 5 meilleurs joueurs du monde, 3 attaquants. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Premier facteur que j'ai identifié pour répondre à cette question, la perte d'espace. Fin des années 90, début des années 2000, beaucoup de monde dit que Ronaldo Fenomeno, R9, révolutionne le poste d'avant-centre. Pourquoi? On dit que c'était le premier avant-centre qui pouvait recevoir le ballon n'importe où sur le terrain et se créer sa propre action. C'était un avant-centre total, un joueur total qui pouvait recevoir à toutes les hauteurs, à toutes les largeurs différentes. Il avait ce dribble, ces caractéristiques qui lui permettaient de se frayer son propre chemin vers le but. Il y a certaines séquences absolument mythiques qui vont dans ce sens-là. R9, c'était clairement pas un attaquant que vous aviez besoin de servir dans la surface pour qu'il soit dangereux. On pouvait avoir cette conception jusque-là de l'avant-centre type Pippo Inzaghi qui marquait des buts moches en une touche. Alors attention, disclaimer, hein, c'est une caricature de Pippo Inzaghi, dans la réalité c'était beaucoup plus complexe que ça, mais c'est vrai que c'est souvent l'image que le joueur italien a renvoyée. Bien, les attaquants s'adaptent. Dans le courant des années 2000, on voit des profils qui apparaissent, hein, les Samuel Eto'o, les Didier Drogba, les Thierry Henry, des joueurs vraiment dans les espaces, ils étaient absolument fantastiques, dévastateurs. Début des années 2010 et courant de la dernière décennie, les attaquants doivent à nouveau se réadapter. Parce qu'on leur a enlevé cet espace-là. C'est un exercice qui apporte pas grand-chose d'un point de vue pratique, mais si on pense un peu les choses, quelle carrière auraient eu les grands attaquants des années 2000 dans les années 2010, quand les espaces se sont réduits, quand on leur a enlevé leur milieu de prédilection et quand on a demandé aux attaquants de faire d'autres choses que simplement faire des tapines? C'est le prochain point de cette vidéo. Le football a changé et on a eu des profils différents qui sont apparus. Cette critique qu'on peut faire à Mbappé sur le fait qu'il est complètement dépendant de l'espace, je crois pas que c'est une critique qu'on aurait fait avec autant d'insistance lors des années 2000-2010. Cette critique à l'envers d'Mbappé, elle symbolise assez bien ce qu'on demande aux attaquants aujourd'hui et ce qu'on demande aux joueurs d'une manière plus générale. On a tellement été au cours des dernières années dans cette dichotomie bloc bas face à une équipe qui cherche à attaquer en coin adverse, qu'on a demandé d'autres choses aux attaquants, et l'attaquant qui a le mieux exemplifié ce nouveau paradigme, je pense que c'est Karim Benzema, l'autre c'est sûrement Roberto Firmino, ces joueurs capables d'apparaître dans les petits espaces avec une qualité technique absolument folle, mais aussi avec une grande intelligence de jeu, des joueurs qui non seulement perdent très peu de ballons, qui bonifient les ballons qu'on leur envoie et qui sont capables de créer des décalages et vraiment de s'insérer parfaitement dans la structure collective. On n'a clairement pas les attaquants qu'il faut servir dans les derniers mètres. Non, ils sont très bons partout sur le terrain. L'école adverse, et c'est les attaquants qui sont en désuétude, si on peut dire, c'est les Mauro Icardi, c'est les Luka Jovic,
dès que les choses se compliquent, c'est difficile de compter sur eux parce qu'ils sont ni bons dans les grands espaces, ni bons à l'heure de combiner avec leurs partenaires. C'est difficile d'en tirer le meilleur lors de certains matchs et c'est vraiment des joueurs qui sont en train de pâtir de cela. Un attaquant jeune qui fait toujours plus parler de lui, j'ai nommé Lautaro Martinez. Regardez les choses à propos desquelles on s'extasie au sujet de Lautaro Martinez. Ses déviations, son jeu de haut but, sa capacité à combiner, son interprétation, son intelligence de jeu, encore une fois, c'est pas le genre de choses qu'on avait tendance à mettre en avant lors de la décennie 2000-2010. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très propre à notre époque. On n'a jamais autant parlé de 9,5. On n'a jamais autant parlé de faux 9, souvent à tort. Faudra qu'on fasse une vidéo un jour sur ce terme, on n'a jamais autant parlé de faux neuf. Il faut dire que le faux neuf que Guardiola remet au goût du jour, il a quand même fait un certain dégât pour les attaquants. Ça a été une manière de réenvisager le métier. Alors pratiquement, il y a eu assez peu de conséquences parce qu'on n'a pas vu une armée de faux neuf envahir l'Europe. Mais d'un point de vue spirituel, dans le sens d'un point de vue de l'esprit de ce que représentait le neuf, ça consistait à remettre un peu en question ce poste. Tout d'un coup, le neuf ne pouvait plus être une exception, il ne pouvait plus être déconnecté du jeu de l'équipe. Vraiment, il a fallu repenser ce poste-là. D'ailleurs, Guardiola, avec le numéro 9, il a fait à peu près de tout. Il a eu cette tendance parfois à mettre ses 9 sur le côté. David Villa a joué côté gauche, Lewandowski sur certains matchs a joué côté gauche, ce qui n'a pas plu à pas mal de monde en Bavière. Gabriel Jesus a parfois joué côté gauche. Et d'une manière plus générale, on a vu d'autres entraîneurs tenter ça. Je me souviens, José Mourinho, à Old Trafford, il avait situé Romelu Lukaku à droite pour en tirer ce qu'il estime être le meilleur parti au vu de l'adversité à laquelle il devait faire face. Timo Werner a joué à gauche avec l'Allemagne, il le fait aussi avec Chelsea. Pour survivre dans cette décennie au plus haut niveau, si on était attaquant, il a fallu s'adapter. Et les meilleurs, c'est ceux qui ont réussi à incorporer à leur facette de buteur incontestable cette facette de joueur bon dans le jeu. On parle ici de Luis Suarez, évidemment, de Robert Lewandowski, et j'ai aussi envie de citer Harry Kane, qui dans le jeu me paraît absolument fantastique, il s'améliore, il se bonifie d'ailleurs avec le temps qui passe. C'est vraiment Luis Suarez et Lewandowski pour moi les deux attaquants les plus représentatifs de la dernière décennie, d'une part par le niveau qu'ils ont montré, d'autre part par ce profil. Si vous voulez jouer dans une grande équipe d'Europe et vous voulez être un attaquant protagoniste et pas être un boulet pour vos coéquipiers, vous devez être bon dans le jeu. Un Sergio Aguero, il en a fait l'amère expérience. Après 6 mois de Guardiola City, Gabriel Jesus arrive, Aguero va passer du temps sur le banc. Sergio Aguero, le meilleur joueur ou l'un des deux meilleurs joueurs de Manchester City, va passer du temps sur le banc. Guardiola entendait qu'il ne lui apportait pas les choses que lui désirait dans le jeu. Sergio Aguero, il a dû s'adapter, il a dû travailler et il est devenu un joueur bien plus complet, heureusement pour lui, parce que sinon, je ne pense pas qu'il aurait eu les minutes qu'il aurait désirées. Je vous parlais au tout début de la vidéo de Messi et de Cristiano Ronaldo, c'est des symboles de cette transformation qui a eu lieu dans les derniers mètres, vu que ce sont des ailiers. Alors avec le passage du temps, ils se sont recentrés, mais ils ont commencé comme ailiers, c'est à partir de cette position qu'ils ont commencé à dominer le football européen, et justement l'apogée des ailiers, c'est ce qui a desservi les attaquants, c'est mon troisième facteur. Les ailiers en faux pieds, pour le coup, on a vraiment vu une prolifération de ces profils-là. Riyad Mahrez, Cristiano Ronaldo, Arjen Robben, Mo Salah, Sadio Mané, Gareth Bale, Ziyech, on en voit toujours plus, c'est des choses qui sont absolument nécessaires, ils ont vraiment remplacé souvent, d'ailleurs au classement des buteurs, les attaquants. Et ce qui est très intéressant, c'est que durant un temps, c'est parce qu'ils rentraient à l'intérieur et c'était très difficile à défendre. Si vous combiniez le fait qu'ils étaient rapides, qu'ils étaient forts techniquement, que l'attaquant faisait un travail pour lui dégager les espaces, c'était difficile à défendre sur eux, à les contrer. Les espaces se sont réduits, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution ? Les servir dans les meilleures conditions. Toute l'équipe travaillait pour qu'eux reçoivent le ballon parfaitement et qu'ils aient plus à se creuser la tête pour créer une action fantastique avec deux dribbles au milieu pour s'ouvrir le chemin du but. Là, on aura considérablement faciliter la tâche. Et autant à eux on leur a facilité la tâche, autant au buteur, au numéro 9, on leur a pas du tout facilité la tâche. Le genre de ballon qu'ils reçoivent, c'est rarement des ballons faciles à exploiter. Souvent c'est des centres, mais il n'y a pas assez de monde dans la surface, ils ont deux centraux face à eux. Ou alors c'est des ballons qui doivent pousser en une touche au fond des buts, et pour ça, il faut vraiment, vraiment être un killer. Le problème, c'est que comme on a demandé à ces attaquants-là d'évoluer, d'être toujours meilleurs dans le jeu, cette facette de joueur tueur devant les buts, comme dirait Thierry Henry, il faut tuer devant les buts,
ils l'ont moins travaillé. Et on a des attaquants du coup qui sont très bons dans le jeu, mais moins bons face au but. Rodrigo Moreno, c'est un très bon exemple de ça. Karim Benzema, il s'est amélioré, mais il a des périodes un peu fluctuantes. Roberto Firmino également, et on leur demande un peu des choses impossibles. Soyez bons dans le jeu, mais dès que vous avez une occasion, mettez-la au fond parce que vous êtes quand même un attaquant, malgré tout, non ? Il y a certains attaquants du coup qui auraient sûrement une meilleure carrière dans les années 2000 que dans les années 2010, mais si on peut apporter un peu de nuance au tableau, je pense qu'il y a certains autres profils qui ont un peu tiré parti de cette situation. Typiquement, j'ai en tête un Olivier Giroud. Dans son rôle de occuper les centraux, d'ouvrir des espaces pour les joueurs qui sont autour de lui, de faire office de point de relais, d'énormément travailler au pressing, il s'en sort très bien, il sait exactement ce qu'il doit faire, il sait exactement quel est son rôle dans l'équipe, et lui, il aura eu de belles années de football, il aura gagné de très belles choses évidemment grâce à ce profil-là, il aura aussi été titulaire grâce à ce profil-là. C'est les attaquants qui, lorsque les choses fonctionnent autour d'eux, on ne leur reproche pas leur manque de but, on ne leur reproche pas le fait qu'ils ne sont pas décisifs, on leur reproche moins, parce qu'on comprend leur rôle. Et ça, ça aurait été clairement impossible il y a 10 ans de cela, un attaquant qui marquait peu, c'était clairement un problème pour ton équipe. C'est plus aussi facile que ça, c'est plus aussi clair que ça aujourd'hui. Enfin, parlons un peu du futur. Qu'est-ce qui attend les avant-centres ces prochaines années ? D'un côté, je pense que dans les équipes qui vont jouer le bas tableau, mieux tableau, on va continuer d'avoir ces profils assez traditionnels, assez unidimensionnels, les attaquants qui mettent des buts, tout simplement parce qu'on n'a pas trop besoin de leur demander d'autre chose. C'est rare qu'ils jouent dans de très petits espaces, qu'ils affrontent des blocs bas, qu'ils doivent énormément participer au jeu. D'un autre côté, une autre tendance qu'on pourrait voir en plus de ce perfectionnement dans le jeu des attaquants, ces attaquants qui deviendraient toujours plus complets, c'est des ailiers repositionnés au poste d'avant-centre. Et on est déjà en train de le voir avec Mbappé, avec Heung-Min Son, avec Ansu Fati, avec Vinicius Junior. C'est assez intéressant parce que d'un côté, on peut profiter de leur vitesse et si vous les mettez dans les bonnes conditions, ils vont être très bons. Il n'y a pas trop de doute à avoir là-dessus. Autant, ça reste, je trouve, un équilibre assez particulier à trouver. Parce que si vous affrontez vraiment une bonne opposition, le défenseur risque de s'en donner à cœur joie face à, je sais pas moi, un Ansu Fati ou un Vinicius dos au but. Autant dans l'espace, ils seront très bons, autant dans les duels et dans ce jeu dos au but, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Il ne faut pas non plus oublier qu'on ne peut pas être dans cette simplification extrême où on serait dans un jeu de transition et il suffirait juste de courir vers l'avant. C'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Le rôle des attaquants est quand même un petit peu plus compliqué que ça, malgré les tendances qu'on peut observer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu et je me réjouis beaucoup de vous lire dans les commentaires. C'est typiquement le genre de contenu où voilà, j'ai quelques pistes en tête, mais vous en avez sûrement d'autres. Peut-être vous êtes en désaccord fondamental. Je me réjouis de vous lire vraiment et de pouvoir discuter, débattre de ça dans les commentaires. Nous, on se retrouve, comme d'habitude, dans une semaine, dimanche 10h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes !